Le temps presse, il faut vite quitter les lieux. Ici, dans la commune du Plateau, précisément au quartier Carina, la démolition des bâtiments ou autres lieux de loisirs a commencé. Pour éviter d'éventuelles situations malheureuses durant la saison pluvieuse, les autorités du pays ont demandé aux propriétaires de ces magasins de partir le plus vite possible. On nous a demandé de dégager, ça fait maintenant 4 mois de cela. Mais c'est dans la semaine passée qu'ils sont venus nous avertir. Bon, on a pris ça à la légère, mais effectivement, on a vu que c'est du sérieux. Ce matin, ils sont venus nous réveiller aux environs des 5h du matin pour qu'on enlève tous nos barrages et autres. Donc, c'est la pression qui est là actuellement. On est là depuis la 8 mois la fois dernière. On a dit qu'on n'a qu'à partir. Comme on ne sait pas où aller, on est resté là. Aujourd'hui, ils sont venus, ils vont nous chasser. On ne sait pas où aller, toujours on les regarde, où vont nous mettre. Et ça, on attend. Face à cette situation, la mairie du Plateau envisage porter assistance aux habitants. Ce n'est pas du fait du maire, mais c'est une affaire nationale. Le maire lui-même est en train de voir à son niveau qu'est-ce qu'il faut faire pour accompagner tous ceux qui sont en train d'être délogés pour que, au niveau du transport de leur matériel, un peu pour leur réinstallation. L'urgence est donc signalée ici dans la commune du Plateau. Comme vous pouvez le constater juste derrière moi, des magasins sont en train d'être vidés. Tout est mis en place pour que les populations puissent partir le plus tôt possible pour éviter les risques dans cette saison des pluies.